Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 159 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Cave. The Cave, c'est un jeu de plateforme qui est sorti là, c'était en début 2013, j'en avais entendu parler et franchement, j'avais vu des vidéos et c'est trop bien. Donc on va y jouer maintenant, vous allez voir à peu près comment ça se présente. Ça vaut très bien le jeu Train 2 qu'on avait testé à un moment, franchement c'est magnifique. Donc là je regarde, tout est activé. Alors on va y jouer, donc moi j'y ai jamais joué, donc c'est parti, on écrase et c'est parti. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to the cave. That's me, the cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure. But not necessarily in that order. The twins, they just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Ah, the monk, he seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. I'm sorry. The knight, he is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? The hillbilly, on this fine night, he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. The scientist, she is on the cusp of a great discovery for all of humankind, and 100 million lives hang in the balance. Donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'on choisisse nos personnages. Ah non, d'accord, donc en fait non. On contrôle le perso en allant de gauche à droite, 1, 2, 3. Et en fait on choisit les persos qu'on veut. Qu'on veut utiliser pour aller par exemple à droite ou à gauche. Ouais, je vais prendre le fermier. Ça fait un peu kikou. Non. Ouais. Non, allez, vas-y. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pied de biche. Alors, pied de biche, on récupère. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce pied de biche? Comme je disais, putain, les graphismes, ils sont très beaux. Les graphismes, je vois, en Train 2, c'est un peu ça, quoi. C'est beau, c'est simple, c'est. C'est du jeu de plateforme comme on aime. Alors, oula, là j'en chie. Et la troisième. Ah non, je veux pas le jeter mon pied de biche. Voilà, et je veux casser celle-là, s'il vous plaît. Allez, voilà. Voilà. Alors, hop, on passe avec ce perso. Ah donc, il vient de s'allumer en bas, mon perso. Il vient de s'allumer, c'est-à-dire que. Regardez en bas, à côté de la touche, j'ai mon personnage. Qui est apparu. Donc, alors, bah, je sais pas, on va y aller comme ça avec lui. Est-ce qu'on en prend un autre pour le fun? Pour l'instant, non. Ah bah, je peux pas monter là-haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Alors, ça, c'est une caisse. Est-ce que je peux la prendre? Ouais. Ah, c'est bon, je peux. En jetant mon pied de biche, je peux tirer. Enfin, pousser et tirer la chaîne. La caisse. Je dis n'importe quoi. Alors ouais, donc ça va être du vrai jeu casse-tête et plateforme. C'est un peu ce à quoi je m'attendais quand j'avais vu un peu. Normalement, les persos ont une particularité. Je sais pas si on aura le temps de la voir par rapport au jeu. Voilà, bon allez, on monte là-haut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire?
un pont. Ce qui marque ne pas, il y a un panneau avec marqué pas plus de 3 personnes. Donc je pense que il me le dit en plus. Ne peut pas soutenir plus de 2 personnes. Donc il va falloir peut-être qu'on y aille à plusieurs. Donc je vais essayer de prendre un autre perso, par exemple, le chevalier. Bon allez, le chevalier. Hop, donc vous voyez l'icône en bas à gauche, il vient d'apparaître du chevalier. Je pense que c'est des... on doit avoir 3 personnages maximum à prendre. Ça doit être un truc du genre. Alors, on y va avec lui. Hop, 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 hop. Et donc on va aller sur le pont. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Qui c'est que je peux prendre? Non, le voyageur, il est... Il m'intéresse pas, lui. Il est trop space. Un scientifique, pas tellement. Et si on prenait les jumeaux, peut-être que ça compte pour 2, les jumeaux. Allez savoir, hein, peut-être que les jumeaux, du coup, ça fait pour 2 personnes. Mais comme ils sont petits, ça fait peut-être 2 enfants, donc ça fait peut-être qu'un seul adulte. Voilà. Hop. On voit aussi des petites fées là, donc c'est vraiment un univers assez sympa quoi, c'est à voir, c'est sympa. Alors, oh là ça y est, on commence à casser le pont. Alors on va essayer de monter dessus avec lui, et normalement ça devrait casser et on devrait pouvoir continuer le jeu. Et voilà, terminé, c'est cassé, et on atterrit, c'est haut, on se croirait en mode Alice au pays des merveilles. Donc on a atterri dans l'eau, là il y a un truc à cadenas de l'autre côté. Donc voilà, je peux switcher entre mes persos, vous voyez, avec les touches. Avec les touches 1, 2, 3. Hop là. Alors qu'est-ce que c'est? The Cave, souvenir. Attends, un présentoir à cartes. Une carte postale. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Employé. Gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, you know, there is a way I could reopen. Allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Donc voilà, ce que j'ai compris, donc on n'est toujours pas dans The Cave. Elle est à droite là-bas. Et pour pouvoir entrer, il va falloir qu'on lui ramène 3 objets à lui pour 3 objets à vendre. Voilà, donc là on a eu la clé, donc évidemment pour ouvrir cette porte qui était cadenassée, qu'on avait vue tout à l'heure. Et donc, allez, on prend nos 3 personnages et on y va. Donc on va commencer avec le chevalier. Hop, allez, on descend. Il y a quoi? Il y a des chauves-souris. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Est-ce que ça peut nous faire mal ça? Non. Alors on continue. Ah bah mes collègues me suivent, mais donc je pense que si on va trop loin, ils doivent nous suivre automatiquement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un puits. Et ça, c'est cassé. Vieux puits brisé. Ouais, donc je peux pas y aller. Et qu'est-ce qu'il y a là en bas? Boîte à fusibles vide. Donc ça c'est vide. Il y a un levier ici. Qui ne fait rien du tout. D'accord, il fait rien. Distributeur de hot dog. Ça doit avoir son utilité aussi. Machine à grog. Absolument pas. Et oh, encore un autre pied de biche. Et il marque bien autre pied de biche. Il marque pas pied de biche. Est-ce qu'on peut le bloquer comme ça avec le pied de biche? Ouais, non, ça marche pas. Ça a pas l'air de vouloir tenir. Donc on va essayer de continuer avec un autre personnage. Alors, on va aller. Non, bah là, on peut toujours pas. Hein. Le vieux pull brisé, y a rien à faire. Que ce soit le robot, enfin, le chevalier ou le machin, ça ne marche pas. C'est super. Donc, je peux pas aller là-bas. Donc, on va plutôt aller sur la gauche. Alors là, il y a un autre levier. Hop. Et donc, lui, il tient. Donc, il faut que je prenne les jumeaux parce que, bah, du coup, j'ai plus mon.
J'ai plus mes deux autres copains là qui tiennent les leviers. Hop, d'accord. Personne ne meurt dans la caverne. Ah d'accord, donc c'est sympa, ça fonctionne comme ça. Donc on peut pas mourir. Je viens de la prendre. Levier, hop là, le troisième. Donc ce qui va me permettre de passer peut-être les deux autres personnages. Ouais, de passer lui là en dessous. Donc ça va peut-être bloquer le système, je sais pas. Je crois bien que j'ai cassé tout le système qui redescend pas, mais ouais. Ça doit être un truc dans le genre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une cloche. Oula, une grosse bébête. Ouais. Donc on va plutôt monter parce que la bébête elle a l'air un peu grosse quand même. J'ai toujours mon pied de biche à la main. Alors qu'est-ce que c'est que ce symbole? Ouais. Le petit paysan, zoom arrière, retour. Ouais, donc ça doit être des images. Ça a pas l'air d'être super utile, on dirait des images à collectionner. Vieux puits, hop, oh, manivelle, j'ai trouvé une manivelle sur un vieux puits rouillé. Sur un vieux puits, donc la manivelle, je sais où elle va aller. Là, la l'air, nanana. Donc je pense qu'elle va sur le puits qui était cassé, ou c'est qu'il manquait un morceau. On va y aller. Ta-ta-ta-ta-da. On repasse, hop. Et, ah non, je veux pas monter. Ah, qu'est-ce que c'est ce bordel. Donc vieux puits brisé, voilà. Allez, on mouline. Allez, mouline. Hop là. Oula, j'ai cassé le machin. Quelle force on a. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre image. Sûrement. D'adorable bambin. Ouais, donc il y a plein des points d'interrogation. Donc, ouais, donc ça doit être des images à collectionner, je pense. Ah oui, voilà, regardez. Les collections. Ok. Alors, on y retourne avec notre personnage, là. Avec le saut. Bah tant qu'à faire on récupère ce qu'on a, aussi bien ça doit servir à quelque chose, hein. S'il est là, j'imagine que c'est pas un objet inutile. Alors, hop, on monte. Ah, non. Ouais, non on peut pas passer là, si je passe je vais me faire manger. Ouais, voilà. C'est pas ce que je pensais, c'est pas la peine. Heureusement qu'on peut pas mourir. Donc il va falloir le contourner, on va monter en haut et non pas monter en bas. Voilà, mon pied de biche est toujours là, mon seau, boîte à fusibles. Ah bah tiens, du coup j'ai pu poser mon seau par-dessus, vraiment un coup de chance. Est-ce que je peux récupérer le fusible? Ouais, mais ça marche plus, la machine vient de s'éteindre. Si je remets le fusible, ah non, je remets le fusible, d'accord, donc la machine s'allume. Et ça c'est des leviers qui servent à aller attraper quelque chose en bas. Là il y a des os. On voit que ça a attrapé des os, la machine a attrapé des os. Ça doit tomber dans la fosse, où c'est qu'il y a le monstre. Où c'est qu'il y a les os de monstre. Ouais, sauf que le monstre il y est pas. Le monstre il est à côté, il est un peu plus loin. Donc on va prendre le fusible, on va aller le mettre dans l'autre boîtier à fusible là-bas. Vous vous rappelez, c'est le premier qu'on avait vu à côté de la machine à hot dog. Non, on peut pas prendre les deux en même temps, donc je vais plutôt partir avec mon fusible. Ta-ta-ta-ta-da. Hop là, mes deux bonhommes boys sont là, ils sont bien ici pour l'instant. Alors, on le met dans la boîte à fusibles vide. Dans la boîte à fusibles, j'ai dit. Voilà. Alors, distributeur de hot dog. Ouais. Et la machine à grog. Ah bah l'autre, elle nous sort une saucisse. Et lui, il nous sort une boisson. Ok, d'accord. On vient de boire un coup, ça doit peut-être redonner de l'énergie, je pense. Donc ça, sinon tout ça, ça sert à rien. Donc on va prendre la saucisse. Aussi bien, ça pourrait peut-être appâter l'autre. La bestiole. Mais comment l'utiliser, je sais pas du tout. Est-ce qu'on la pose là devant pour qu'il monte sur la fosse? Je vais essayer de la poser devant là. Voilà. Et d'aller sonner la cloche. Ah, il a senti, non? Non. Ah, il a même pas venu. Ah, l'enfoiré. Est-ce que je peux la mettre au milieu, peut-être, sur le pic, là? Il y a un pic qui me semble joli. Voilà. Ah, bah ouais, bah ça doit être ça. C'est fait pour, attention, sonne la cloche. Eh ouais, mais la machine... Ah, non! Non, j'irai pas assez vite. Non. Non.
Allez, ah oui, il est reparti, c'est terminé. Bon, bah, il va falloir que je fasse autrement, c'est-à-dire que de toute façon, j'avais même pas le fusible, donc je vois même pas pourquoi je monte. Donc ça, c'est un pur jeu, on prend un autre personnage. On va récupérer un hot dog. Distributeur de hot dog. Plouf, une saucisse. Toute chaude en plus. Imagine depuis le temps que les gens viennent pas dans ce truc là, ça doit être un peu... Ah, j'en suis un peu avec les contrôles par contre. Alors ça, je vous l'avouerai que j'en suis un petit peu. Donc je vais lui venir avec ma saucisse. Ma petite saucisse hot dog. On va rester ici. Voilà. On va switcher sur les jumeaux qui vont aller prendre le fusible. Voilà, voilà. Allez, on prend le fusible. On va aller le brancher sur l'autre machine parce que du coup sinon l'autre machine ne marche pas. Allez, ta-ta-ta-ta-la, on court. Voilà, ça on n'a pas vu de capacité spécifique au personnage. Bon, j'imagine qu'ils doivent en avoir. Mais on n'en a pas eu besoin pour le moment. Pour l'instant, c'est surtout de l'aide en groupe, quoi. C'est vraiment pour le groupe. Hop là, on allume la machine. Donc là, on va mettre le petit bonhomme à côté. On va switcher sur le fermier qui a son hot dog. On le fourre sur le pic. On sonne la cloche. Et vite, je passe à mes amis là-haut. Hop, et on baisse la manette. Hop là. Et on l'a chopé. Et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, on redescend, on va vite y aller avant qu'on sait jamais s'il y a un temps limite. Par contre, l'autre pied de biche, je sais pas quoi il sert. On a un deuxième pied de biche, j'ai pas trouvé d'utilité encore. Oh, allez, un symbole, avec un petit ourson. Alors, grandir à la ferme, super. Alors voilà, ça y est, ils nous ont suivi automatiquement, ça veut dire qu'on a dû passer au moins une grosse étape. Bon bah là on saute dans l'eau, hein. Youhou! Alors, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien au fond. Est-ce qu'on peut monter à droite là? Ouais. Ah oui d'accord, donc on peut monter, c'est des escaliers, j'avais pas vu. Hop, voilà, flamme. Ah, flamme, ça doit servir à quelque chose. Il y a une flamme mais on peut pas s'en servir. Non. Il nous faut un petit signe du visage en disant non. Alors là, il y a des cailloux, on peut pas passer. Là, il y a encore les petits panneaux, les échelles. Ouh, il est plein des panneaux d'explosifs. Donc là, ouh, de la dynamite. Boîte de dynamite. Donc on prend une dynamite. Donc je pense qu'il va falloir aller faire sauter le tas de gravats qu'on a vu, les cailloux. On va essayer. Ça coûte rien. Bah, pour l'instant, c'est vachement simple en fait. C'est pas... La complexité est pas énorme, mais bon, il y a quand même un peu de jugeote à avoir. Hein. Quelqu'un de pas très futé, il va pas s'en sortir. Allez, vite, 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 vite. Vite, non, non, ah non. Ah, je viens de... Bon, c'est pas grave, ils sont pas morts. Mais... Voilà, ils ont apparu pile poil à cet endroit-là, c'est super. Hop là, mes amis, ils m'ont suivi. Magnifique, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah bah tiens, ça doit être un objet précieux, ça. Prix d'interprétation. Voilà, donc eux, ils ont déjà un truc à remettre au petit bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? On va aller voir. Hop, 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 voilà, voilà. Oula, il y a encore un trésor, mais... Oh, merde. Je vais pas pouvoir le prendre, parce que si je le prends, ça va lâcher. Donc, il faut que je le prenne avec un autre. Donc, une interprétation. On revient. Parce que... nous les jumeaux ont déjà leur item. On va y aller avec le fermier. Allez le fermier. Allez allez. Hop là. Et lui donc on va prendre, c'est un crâne orné. Voilà. Magnifique. Donc lui aussi il a son bijou. Alors, les jumeaux, vous montez là-haut comme le fermier, et on va prendre donc le chevalier, et il faudrait trouver où est le troisième truc à prendre. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Encore un casse-tête.
Ouais, donc il y en a un qui se met là, donc ça ouvre la porte. Donc on peut faire passer un deuxième qui bloque de l'autre côté. Là. Donc du coup je peux faire passer mes jumeaux. Voilà. Les jumeaux un peu plus en haut, on verra après qu'est-ce qu'il y a là-haut. Bouton d'appel de l'ascenseur. Hop là. Ta-ta-ta-ta. On monte sur l'ascenseur. Je vais monter déjà les deux jumeaux. Ouais, voilà. J'étais en train de me dire ça remonte pas, mais oui, bah, il faut appuyer. Sinon, ça monte pas. Ah, d'accord. Donc là, on est à la machine à hot dog de tout à l'heure. Hop. Et hop. Donc eux, ils sont là-bas. Donc déjà, c'est fait. Lui, on va prendre lui. Ah, d'accord. Donc ça se ferme pas. Donc, ouais. Donc voilà, il fallait bien qu'il y en ait un sur le deuxième pour pas que la première porte se ferme. Et voilà le troisième item, guitare maudite. Magnifique. Et donc on va emmener les deux. Donc on a nos trois items à les donner au concierge là, pour qu'il nous ouvre la caverne. On va prendre lui en même temps. On va pas faire trois voyages, c'est bon quand même. Allez, appelle l'ascenseur. Voilà, lui aussi. Et on appuie. Ah, c'est bizarre, tout à l'heure on l'avait pas ce petit bouton là, ce bouton d'appel de l'ascenseur. Hop. On peut pas aller dans le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on peut pas descendre. Enfin, je pense pas, ou je sais, en tout cas on n'avait pas le bouton tout à l'heure. Allez, ou toi si tu montes. Hop là, tu reprends le chemin. Oh, les deux autres vont peut-être me suivre automatiquement, je sais pas. J'espère. S'il faut que je fasse le même chemin pour les trois, ça va être chiant. Voilà, est-ce qu'ils me suivent ou pas? Je sais pas, est-ce qu'ils me suivent? Non, ils ont pas l'air de m'avoir suivi. Ah bah si, c'est bon, ils m'ont suivi. Et en plus, ils ont les items. Donc voilà, on est encore l'un des trois. Le deuxième. Hop là, allez, clic. Voilà, deuxième item. Et troisième, le crâne orné. Et voilà, terminé. Oh, right. Sorry. Et voilà, on peut rentrer dans The Cave. Enfin, on peut commencer vraiment le jeu. Vieil écriteau. Clause de non-responsabilité de la caverne. Blablabla. Ouais. Le truc un peu cliché, c'est-à-dire qu'ils nous disent, ouais, en gros, qu'ils sont pas responsables des dégâts. Des blessures physiques et morales qu'on pourrait avoir, enfin des dégâts physiques. Alors, donc on a encore atterri dans l'eau, putain, faut que ça se mouille. Quelque chose de dingue, toute la flotte qui a dans ces cavernes. Alors, l'autre il part, lui papote, si vous voulez lire, lisez. Ça peut être intéressant des fois. Alors là, par contre, pour passer, il va falloir que je fasse levier. Alors, on va prendre un autre. Hop. Hop. Ouais, donc je vais pouvoir passer. Allez. Ah non! Donc, ouais, donc c'est un peu trop haut pour qu'on puisse sauter directement. Donc, il faut vraiment sauter hop sur le rocher. Là, il y a encore une image à récupérer. Une aubaine. Génial. Donc, hop là, donc lui il peut passer. Ah, par contre, là il peut pas passer. Donc, faut que le fermier se barre pour que lui en bas puisse passer. Mais le fermier, de la même manière. Il peut pas passer, donc il va y avoir un problème à un moment ou à un autre. Ouais. Enfin, je pense que vous avez déjà vu à peu près le problème qu'il va y avoir. Donc là, je monte dessus, mais il faut qu'on soit trois personnes pour ouvrir la porte. Si on n'est pas trois, ça ouvre pas. Sauf que pour être trois, il faut qu'on passe tous les trois. Et pour passer tous les trois, il faut forcément qu'on ait laissé un derrière. Et comme on est que trois, bah forcément, vous faites le décompte, ça fait plus que deux. Il va y avoir un problème. Donc là, si je fais passer les jumeaux, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je crois que c'était un coffre, ça, non, même pas.
Il y a des trucs au fond de l'eau, on sait pas trop pourquoi. Ouais, non, non, je veux pas, voilà, les jumeaux. Si je les fais passer, on est d'accord que je vais avoir un problème avec mon fermier. Mon fermier, je fais comment? Parce que même là, regardez, je le fais passer. Et donc, du coup, moi, j'ai mon fermier, mais je sais pas quoi faire avec lui. Voilà, 2 sur 3. La petite loupiote s'allume, mais je me retrouve un peu baisé. Est-ce qu'on peut pas prendre cette caisse, là, non? On peut pas prendre la caisse pour histoire de lui faire un endroit où atterrir, ou c'est qu'il pourrait pas se faire mal. Ouais, il y a un problème là. Parce que je meurs automatiquement en sautant directement de là-haut. Alors je vois mal comment je vais pouvoir faire pour descendre moi ce personnage en bas. What the fuck, comme qui dirait. Ah, c'est la première, le premier casse-tête qu'on rencontre, le vrai casse-tête, parce que là franchement je sais pas faire. Est-ce qu'il y a une solution logique? Est-ce qu'il faut que j'aille vite? Non, non, je sais pas. On peut pas retenir le poids en bas. Il y a aucun autre chemin apparent. Aucun autre moyen de passer. Même avec les jumeaux, est-ce que les jumeaux seraient pas plus petits justement et pourraient justement passer là dans l'interstice là? Non, même pas. Si j'arrive à les faire décrocher, décrochez-vous s'il vous plaît. Ah non, ça passe pas. Hein. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Oh là là. Donc comment faire? Je suis en train de réfléchir en fait. Comment? C'est quoi ça là-haut? D'accord. Ah d'accord. Il passe dans quoi là? C'est vide. C'est du vide. Il marche dans le vide? Non. Oh là. D'accord, normal. Voilà. Et donc voilà, on va pas aller plus loin, donc ce sera tout donc pour The Cave. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.